Ouais, bonjour à tous, c'est Amen Office. Donc ben, je suis comme tous les matins dans mes bois, dans les prés, mais bon, en ce moment c'est vrai que je fais beaucoup de bois. C'est pas formidable en trouvaille de toute façon, mais j'ai au moins la chance d'avoir un temps superbe, être dans des endroits assez sympathiques. Donc ce bois, on a fait une partie avec Dom, mais à l'opposé, et je me suis dit je vais tenter un petit coup, je suis pas trop loin de chez moi, donc avant de partir au travail. Et donc un son, j'ai même pas eu besoin de creuser, hein, j'ai écarté les feuilles. C'est ici. Alors, je pense que c'est le Militaria. Alors je sais pas si c'est riveté, si c'est un gros rivet ou si c'est vissé. A priori, ouais, ça doit être une vis, je pense, mais bon. Voilà. Premier objet. Je sais pas s'il n'y a pas des inscriptions. Voilà. Eh ben écoutez, ça va au moins le mérite de nettoyer. Allez, je vous reprends au prochain son. Ouais, bon, j'en profite pour filmer un peu, hein, puisque les trois, c'est toujours pareil avec moi. Je vous avais dit, quand je filme, il n'y a rien. Donc là, vous voyez, je viens du bas. Alors, il y a une vieille herbe abreuvoir en bas, là. Donc le champ devait aller plus loin. Bon, j'ai voulu creuser un petit peu, mais c'est hyper marécageux. Donc, aussitôt vous faites, vous restez stationné 2-3 minutes, vous commencez à vous enfoncer. Donc, creuser dans la mer, là, c'est bien. Pour aujourd'hui, ça, avec les petits dénivelés, là, je crois que on va se sauvegarder un petit peu, puis garder un peu d'énergie. Donc, j'ai là, je vais essayer de monter donc jusqu'à là-haut. Enfin, je vais monter jusqu'à là-haut, de toute façon, maintenant que j'ai fait la moitié. Alors, je vais vous montrer un peu le panorama, là. Donc là, en point de mire, au milieu du champ, là, vous avez la route qui passe, il y a une voiture qui passe là-bas au loin. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça a été fréquenté. Alors, ça m'étonne qu'on trouve pas plus de boutons, enfin d'hommes on a trouvé pas mal. Mais à mon avis c'était un point stratégique puisque c'est un lieu de passage entre la Haute-Saône et puis les Vosges, un peu plus loin là-bas. Et donc je pense que les Allemands devaient être bien installés par ici déjà au moins. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins, et les résistants d'ailleurs. Donc moi je pense que déjà au moins pendant la dernière guerre et puis il y a dû avoir du passage. Maintenant je pensais que ça avait jamais été fait mais j'ai retrouvé un trou qui n'était pas bouché là-bas. Alors peut-être que Dom est venu jusqu'à là, mais je pensais qu'il était allé de l'autre côté. Bon. Mais bon, je vais continuer, en ne sentant pas crever en route. Alors je vais attaquer la crête là-haut, et puis s'il y a quelque chose ou un point de vue, bah écoutez, je compléterai la vidéo. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben ouais, rapidement, vous voyez, je viens de vous faire un petit morceau de vidéo d'ici, pour vous montrer le panorama. J'ai fait 1 mètre. J'ai juste écarté les feuilles, je vois déjà, vous voyez, vous la voyez aussi, c'est une boucle, voilà, sympathique, elle est complète celle-ci, elle est sympa, ouais, c'est vraiment sympathique, voilà, bon, il n'y a même pratiquement pas besoin qu'elle soit nettoyée, et là, je l'ai rarement vue complète comme ça, alors, bon, pour la datation, certaines boucles qui ressemblent à celle-ci, ont une datation carrément sur le dessus. Moi ce qui m'étonne quand même, celle-ci elle doit être quand même plus ancienne parce que le système d'attache, déjà les trois ardillons sont beaucoup plus épais que, enfin beaucoup plus acérés que celle que j'ai déjà vue. Et ce système à l'arrière, alors là, jamais vu encore. Alors si vous avez des précisions, mais je cherche aussi un petit peu de mon côté. Allez, ben, je continue. Bon, rien de nouveau, je suis monté au-dessus de la butte, là, je vous fais profiter un petit peu. Alors là, il y a quelqu'un qui fait des coupes de bois, mais à mon avis, ça doit faire 10 ans que le bois est là, parce que pour venir le chercher là, avec les bœufs, avant ça allait, mais je vois pas, à mon avis, maintenant, ils peuvent rien faire là. Ou alors, il y a peut-être un accès par derrière sur le plateau, mais j'ai rien doute. Mais enfin, en tout cas, c'est vieux. Alors oui, j'ai pris de la hauteur, c'est encore plus beau que tout à l'heure, et en face, on a les contreforts des Vosges. Alors, c'est un peu dans la brume. Je pense que vous essayez, on les voit quand même. Voilà, donc vous avez les contreforts avec une très belle hauteur là-haut. Là,
Je suis monté une ou deux fois, mais j'ai jamais prospecté là-haut, faudra que j'y aille. Vous avez, on voit les, à l'endroit que vous voyez le creux là, il y a un défilé qui part en direction de l'Alsace. Donc il y a des, il y a quelques villages là, c'était un passage, une voie romaine en fait, mais bon, c'est super escarpé, etc. Et puis bon, si qui dit voie romaine dit passage hein, de détecteur aussi. Moi je préfère mes petits coins tranquilles qui ont beaucoup moins de chances d'avoir été détectés. Alors on se rend pas trop compte, mais là il y a vraiment un vrai dénivelé. J'essaie de prendre ton vue où on va. Voilà. Alors sur mes. Voilà. Donc moi je suis passé par le chemin là en bas et puis j'ai contourné, je suis pas monté à la brute. Bon, j'aurais pu, mais fatigué pour rien. Puis bon, la détection, on peut quand même aussi faire le tour hein. Donc sur mon générique j'ai marqué sport en plus de la passion, etc. et de tout ce qu'on peut mettre en général. Ben c'est bien parce que aussi je pense que avant de trouver des objets, cette passion c'est surtout effectivement la marche, la découverte de la nature, là on le voit. Mais c'est aussi du sport. Alors moi, avant de commencer la détection l'année dernière, j'avais une vingtaine de kilos de trop. Et j'arrivais même plus à monter les marches, les escaliers chez moi sans être essoufflé en arrivant au-dessus. Bon, ben, vous voyez, au bout de 6 mois de crapahutage, alors, il faut prendre son temps. Hein, il faut y aller petit à petit, commencer par du plat, faire quelques talus et tout. Mais vous voyez, au bout de 6 mois, quand on sort régulièrement, la condition physique est là. Et ça vaut toutes les trouvailles, hein, je veux dire. Donc moi, je me lasse pas de ces balades matinales, même si, bon, effectivement, hein, comme je travaille vers les midi et que j'ai des kilomètres à faire, je peux pas m'attarder ou me lever à 6h du matin. Mais bon, c'est 7h30, 2h le matin. Moi, je trouve que c'est bénéfique, ça fait du bien, ça nous prépare pour les grandes sorties du week-end. Et puis le vieux, ben, il a quand même crapahuté 15h hein, samedi dimanche là. Hein, donc ça porte ses fruits. Alors je vais. Le seul hic là-dedans, c'est que bon, j'ai pas réussi à arrêter ça. Bon, je me permets d'en fumer une quand il y a un beau panorama comme ça, puis de m'asseoir un petit peu. Mais en tout cas, c'est une belle passion. Et je suis content de la partager avec vous. Dommage que j'ai pas découvert ça plus tôt, mais bon, on a encore le temps, hein. On se rattrapera. En tout cas, voilà pour ce qui est des paysages de la Haute-Saône. Et puis je vais me diriger tranquillement vers la voiture maintenant, et puis s'il y a une trouvaille sur le retour, je vous filmerai ça. Bon, peut-être une petite monnaie pour me faire plaisir aujourd'hui. Mais bon, j'ai eu ma boucle, hein, comme d'habitude, hein, vous remarquerez, hein. Je vais avoir une belle collection, je vais vous poster la... Je vais faire une petite vidéo de toutes les boucles que j'ai trouvées. Et je vous posterai ça. Voilà, bon écoutez, bonne détection à tous. Certainement de toute façon une vidéo peut-être demain ou après-demain. Et profitez bien de ce temps-là qui va être super toute la semaine. Allez, bonne trouvaille à tous. Bon, bah, finalement, je vous reprends la voiture. J'ai déjà tracé presque un kilomètre là. J'ai décidé de descendre directement dans l'aplomb. Je me suis fait peur, mais c'est assez rigolo. Et donc un son donc superficiel, hein, pas très profond. Au début j'ai cru que c'était un cul de cartouche, c'est pour ça que je l'ai sorti. Voilà, c'est ici. Et c'est une a priori une vieille médaille religieuse, mais c'était pas tout récent ça. Alors, ouais, il y a plusieurs attaches, voir si c'était pas le couvercle de quelque chose, mais on distingue bien encore le Christ. Alors, j'ai peut-être pas trop frotté pour pas les squinter. Voilà, alors j'ai cru, ça aurait pu être une montre, non, mais c'est bien là d'un ancien pendentif. Hein. Bon, bah écoutez, ouais, hein. Je suis passé à côté tout à l'heure. Mais sur le chemin, hein. Là j'ai dit je m'écarte un petit peu du chemin. Mais voilà, une médaille, bon, je pense qu'elle sera pas très très jolie, mais on va quand même la gratter. Bon, il y a encore des reliefs quoi. Allez, je vous reprends s'il y a encore quelque chose jusqu'à l'arrivée de la voiture.